connectez, vous connectez, vous connectez, vous connectez. On va parler des produits. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. C'est bon, je partage mon live. Bonjour, 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 partagez le live. Partagez le live, partagez le live. Bonjour, bonjour. Envoyez les cœurs, partagez le live. Nous allons parler des produits Save Beauty. La gamme Save Beauty, la gamme de l'heure. La gamme qui a pris le pouvoir dans les réseaux sociaux. Regardez comment ma peau jaille. Regardez ma peau. La peau de ça. La gamme de ça. Regardez les produits. Regardez ma peau. Regardez. La peau caramel, regardez-moi. Save Beauty, nous allons parler de Save Beauty. Nous allons parler des produits que je représente en fait. Nous allons, après, je vais lire les commentaires. Warren Tony, partagez-le-là, mes gens. Nous allons parler des produits que je représente. Nous allons parler de Save Beauty d'habitude. Vous voyez ma peau, comment ma peau est hydratante, ma peau est claire. Vous-même, vous m'avez vu au début, dans les débuts ici. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui font le plaisir de me suivre. Je suis Nicole Kechato Vert, je suis Nicole Bio, la fille barantée de luxe. Je suis Nicole Bio officielle, j'ai 3 pages, mais je suis plus souvent ici. Je suis Nicole Akeo Vert. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, et moi aussi. Aujourd'hui, je viens vous parler des produits, des trucs que je représente. La gamme Save Beauty, c'est une gamme pour les peaux noires. Ça hydrate la peau. Vous m'avez connu dans mes débuts. On m'avait connu dans mes débuts comme j'étais. J'étais noire. On m'a insulté, on m'a dépendé, on m'a traité de Isaacam, on m'a traité de sale fille. On m'a regardé ma peau aujourd'hui. C'est ça. C'est Save Beauty. C'est cette vous voyez, non, je ne fais pas la publicité mensongère. C'est fini. Regardez. C'est fini. Donc, il me faut appeler ma boss pour qu'elle m'envoie les produits. Parce que, regardez, je ne fais pas la publicité mensongère. Moi, j'utilise cette dame. J'utilise ça. C'est fini. Ça, c'est pour. Ça, c'est la crème du jour. Je voulais prendre. Voilà, ça, c'est la crème du jour que je mets sur mes doigts. Regardez comment j'ai les doigts hydratants. En passant, nous allons faire aussi la pub de Mafo. Parce que Mafo a commencé à vendre son truc, son parfum rebelle. Donc, après, ça, nous allons faire aussi la pub de notre Mafo. Parce que il faut acheter. Sachez que Mafo a commencé à vendre ses produits, son parfum rebelle. Donc, d'ici quelques semaines, elle va me dire, on va aussi représenter aussi ses parfums. Donc, regardez ça. Vous voyez ça. Regardez ceci. Ça, c'est le lait. J'ai mis. Regardez comment ma peau est hydratante. Comment ça a de la brillance. J'ai la peau, c'est uniforme partout. Regardez mes doigts. Uniforme partout. Regardez. Uniforme partout. Regardez. Vous voyez. Mon visage est pareil. Ça, c'est la crème du jour. Le lait, c'est pesant. Ce n'est pas liquide, c'est pesant. Parce qu'elle n'a pas... Non, celui qui a fabriqué le lait, si, n'a pas mis d'eau. Le laboratoire n'a pas mis d'eau. Parce que les bons produits, on ne met pas l'eau à l'intérieur. Voici le gel de douche. Ce gel est hydratant, c'est brillant. Vous voyez, non, j'utilise le gel de douche. J'ai fait même petit. C'est déjà fini. Je ne fais pas la publicité mensongère. C'est ce que moi j'utilise. En dehors de ça, il n'y a plus rien. C'est ça que j'utilise. Ça, c'est ma crème. La crème du jour, la nuit. Quand je finis la nuit, quand je me lave, j'applique cette crème. Et c'est toujours brillant. Regardez, ça pèse. Vous voyez, non? La crème pèse. Ça pèse. Regardez. Vous voyez? C'est une crème hydratante. Ça pèse. Regardez comment c'est. Ça donne la brillance. Vous voyez comment? Ça, c'est le cœur du ballot. Le cœur du ballot, ça. La crème du jour. C'est ça qui rend mon visage propre. Ça t'enlève les petits comédants sur le visage. Regardez comment mon visage est propre. C'est comme si j'avais fait un soin de visage. C'est cette crème. Parce que la crème, si me permet d'utiliser le savon noir. Je vais vous présenter avant de me oublier.
excusez-moi. Voici le savon noir. Le savon noir que j'utilise. Ce savon noir que j'utilise. C'est ça. J'applique ça sur mon visage. Après, je laisse 35 à 45 minutes. Après, je pars. Quand je pars, j'ai fini de nettoyer ma maison. Quand j'ai fini de nettoyer, après, j'enlève ça sur mon passé. C'est un peu comme le masque. Après, j'applique ça. Après, j'applique cette crème. Et c'est ça qui rend mon visage hydratant. Ça n'a pas d'huile, ça n'a pas de beurre. Les gens m'ont insulté que, oh, elle a le fibron sur le visage, sur le menton. Voilà ça. Est-ce que j'ai encore le fibron? Les ténébreux, les détracteurs, ils ne peuvent plus m'insulter comme ça que, oh, elle a le fibron sur le menton. Oh, c'est dit, oh, son visage est huileux. Voilà ça. C'est grâce à ce morceau de savon. C'est ce savon-ci. Après, j'applique cette crème. Maintenant, nous avons ça. C'est un peu comme les gélules. C'est une écorce que tu mets à l'intérieur de ton vagin. Mais elle est dure. Tu ne peux pas mettre ça à l'intérieur. Parce que si tu mets comme ça, ça peut te blesser. Mais pour le conseil que je vous donne, c'est bon que vous mettez, vous trempez ça dans l'eau. Ça devient mou. Quand ça devient mou, vous appliquez ça à l'intérieur. Vous dormez avec ça. Le matin, vous allez voir que votre slip est bien mouillé. Parce que ça nettoie jusqu'à à la profondeur. Et ceux qui ont le fibron, les maladies, les problèmes vaginaux et tout, ça les nettoie à profondeur. Et ça te donne une bonne haleine. Et maintenant, nous allons partir maintenant chez une, il y a une notre petite soeur qui est Raïssa Tchala, qui vend les gaines en m'insistant. Elle vend les bulles graisses, elle a sa page. Elle a un site internet, allez liker sa page, elle s'appelle Raïssa Tchala. Elle vend les gaines, elle vend les bulles graisses, tout ce qui concerne la femme. Tu vois, mon colis devait arriver, c'est arrivé. Ils ont encore reparti mon colis, donc c'est quelque chose, ça doit arriver. Nous avons une dame, une autre grande soeur, Olive Shop. Elle fait les vêtements en ligne. Elle vend les vêtements en ligne. Allez commander les vêtements, encouragez-moi, encouragez le partenariat. Nous avons Maman Clarisse Yenga. Je remercie la dame qui est partie commander les gélules sur Clarisse Yenga. Merci beaucoup, merci de m'encourager. Nous avons Clarisse Yenga qui vend les gélules. Les cellules pour faire maigrir, les écorces. Donc, encourager cette grande dame qui est au Cameroun, même comme son mari est malade, elle n'a pas voulu laisser son mari pour aller se faire prostituer. Elle a demandé, elle a dit non, elle va se battre dans le commerce, c'est mieux de l'encourager. J'ai tout épinglé à l'antenne du direct. Nous avons l'Institut de beauté T. Parfait Global Imani qui est situé à Dedo, ancien cinéma d'Eden. On fait dans le brushing, on fait dans la coloration, on fait dans la pédicure manicure, on fait dans le massage, on fait de tout là-bas. On traite les cheveux là-bas, on fait tout, on fait l'onglerie, on fait de tout là-bas. La promotion est bientôt finie. Et on fait aussi les formations, on fait aussi de tout là-bas. Allez là-bas, vous serez pas satisfait, vous serez satisfait. Nous avons Tap Tap Sen. Tap Tap Sen qui a rendu mes détracteurs malades. Je tiens à remercier tous ceux qui ont téléchargé l'application Tap Tap Sen. Nous sommes déjà à la porte. Au début, on était encore ici. Je vous ai mis mon magasin. Quand j'ai commencé Tap Tap Sen, j'étais encore ici. Je fermais. Maintenant, on est à côté. Nous sommes à côté. Bientôt, je suis ouvert. Bientôt, je travaille à la porte. Donc, je tiens à remercier ces femmes qui ont déjà téléchargé. Mais il manque encore. Il y a une autre femme, il y a une grande dame qui a téléchargé. Il manque 9. Je tiens à remercier les. Je tiens à dire aux 9 personnes en ce moment, allez télécharger l'application Tap Tap Sen. Mes chers mamans, frappez les détracteurs. Le détracteur n'est rien. Tapez-les. Nickel. Vous les mettez ça au bas. Parce qu'ils attendent de moi, il n'y aura pas. Frappez-les. Nickel. Vous les donnez un coup d'un poum. Voilà ça. C'est ça. Qui rend les détracteurs les ténébreux. Et eux, ils partent. Ils ne savent plus comment ils vont m'atteindre. Ils m'ont promis même la mort. Ils m'ont dit que non, je vais mourir dans le sommeil. Ils m'ont dit que je vais mourir dans le sommeil. Même comme ça,
Ils attendaient que Père Kaïm me lève la nuit. On m'a dit que non, Nico Kenja est morte. Même comme ça, ils ont envoyé les prix, ils vont signer, envoyé les prix, ils ont été signalés. Et dit que même comme ça, Dieu a dit que vous mentez. Après, quand ils ont vu que j'avais fait un direct, j'ai remercié mes deux patrons, je me suis mis à genoux parce que pour moi, l'humiliation, ils m'en foutent. Hein? Ils sont Et les détracteurs encore, ils veulent encore venir encore. Non, mettez-les au bas. Allez télécharger l'application TapTapSend. Et dit que le contrat ce sera à Mondovision. Ce sera un témoignage vivant. Ça sera un témoignage vivant de mon contrat. Oh, ça ne chauffe pas. Donc, c'est un peu ça, mes gens. C'est un peu ça, mes gens. Voilà ça qui rend les, qui rend mes détracteurs zinzin. Et... ouais, Nicole, qu'est-ce qu'il y a? Nicole! Et dit que, regardez-moi bien. Où l'ordre d'un beau? Regardez-moi bien, avec les yeux. Boza. Boza! Bonzaïeuse! Une bonzaïeuse! Ouais, que! Allez télécharger l'application TapTapSend! C'est de ça qu'il s'agit. On va être ambassadeur. On serait une fille qui a bonza au Cameroun. Elle a marché à pied à mes pieds. J'ai marché à pied. J'ai souffert au désert. Ce n'est pas vous, les flops. J'ai marché à pied pour le désert. Ce n'est pas vous qui allez m'intimider. Ce n'est pas vous qui allez m'intimider. Maman, vous dites que quoi? Que quoi? Oh, Nico, que ciao! Que j'ai appris que quoi? J'ai raison de dire que j'ai appris que, on a dit que, qu'on te donne 48 heures. Maman! Nico Kecha! 48 heures! 24, il va même mettre 24 des petits. Qui? Moi? Nico Kecha! Une bosseuse! Une gars qui a mangé le ciment en Libye! Une gars qui a dormi dans le désert 4 jours. Une gars qui a entré dans la Méditerranée 2 fois. Quoi, il me fait peur. Oh! Maman, dépose! 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 Que tout ce que ma mère t'a donné, tu mets! Tu mets sur mes tas. Mets! Mais tiens à te rappeler que si tu essayes de prononcer le nom de ma grand-mère dans ta bouche, je vais te montrer sur mes tas. Tu essaies de prononcer le nom de ma grand-mère. Moi, insulte quelqu'un. Lave-moi, assis-moi. Je veux que quelqu'un a écarté au gars. Que quelqu'un a écarté. Elle a fait comme ça. Tu prononces ma grand-mère. Même aux États-Unis, je vais te trouver. Tu prononces ma grammaire dans ta bouche. J'ai toute ta vie ici. Tout. On va entrer dans ça. J'ai tout ici. On ne me fait pas peur. Hein? Un bonsaïeur, maman. Un gars qui a un bonsaïeur. Qui a tout vu dans le désert. Lave-moi, hein? Tu es d'accord? Pour moi, il n'y a pas de problème.
qu'est ceci? Ma grand-mère, celle qui m'a élevé, est dans la tombe. Les pipimaniens ont pris son corps. Ils ont rôdé le corps de ma grand-mère. Qui ne serait jamais ma cible. Ma cible sur mes tas, c'est l'homme Lolo. Vous toutes là qui venez derrière moi là, je ne vous vois pas. Il y a qui à côté? Je ne vois personne. Ce dimanche, tu ne sors pas, m'a dit. Ce dimanche, tu ne parles pas de ma fin grand-mère. Tu que tu clashes. Tu que tu clashes, ma femme. Ta vie est ici. Ici. Ici, ta vie est là. Là, tout est là. Tu essaies de parler de ma grand-mère dans ta bouche. Tu essaies de vous dire, là, je vous parle de ma grand-mère. Ma feu grand-mère, tu parles d'elle. On va se parler. Donc, moi, Nicole Kecha, je n'ai pas peur d'une femme qui pisse comme moi. Qui pisse. Qui pisse le pipi, non, pis. Qui pisse comme moi, le pipi, non, pis, non. Je n'ai pas peur. Maman, je vais monter. Non, c'est un peu ça. Regardez comment une femme. Regardez une belle femme. Regardez la beauté de. Regardez la beauté noire. Tu as envie d'épouser une femme noire. Regardez cette beauty. La gamme de ça. Oui, maman Lily. Ça va, ma fille? Ça va très bien, ma mère. Eh, hey, tu es belle. Merci beaucoup, maman Lily. Merci beaucoup, ma mère chérie. Merci. Tu es trop belle, ma fille. Merci. Regarde, c'est abouti sur ta poitrine. Maman! C'est bête. C'est abouti. Une pauvre, c'est comme moi. J'ai jamais inventé ma vie. J'ai toujours dit que moi, je suis une beau-sœur. J'ai grandi dans un carbo. J'ai tout raconté ma vie à vous. J'ai jamais inventé ma vie. Ça dit. Ça dit. Maman! La gamme de la gamme qui fait mal aux détracteurs. La gamme qui tue les détracteurs. La gamme qui fait mal aux détracteurs. Les détracteurs peuvent mourir. Les gens sortent de partout. Mes amis, allez continuer à télécharger l'application TapTapSaint et utiliser le code promo Bio237. C'est de ce qu'il s'agit. Mm-hmm. Allez soutenir votre fille Nicole Kecha. Si je suis montée là, c'est pour dire encore, pour appuyer, que soutenez votre fille, Nicole Kecha. Elle sort de loin. C'est elle m'a dit merci. Dans plein d'amour. Merci. Soutenez-la. Donnez-lui l'occasion d'être encore, d'aller encore de plus en plus en avant. Mm-hmm. Ma fille, j'ai une question à te poser. As-tu peur de 48 heures? Ah! Ah! Maman, j'ai dit quoi? Ah! As-tu peur de 48 heures? Mais maintenant, maman, j'ai dit, converse. Tu as peur? J'ai peur de 48 heures. As-tu peur de 48 heures? Maintenant, on va le dire. Quand on est petit, dis qu'on verse dans 5 minutes. Qu'on verse. Bon, assieds-toi, ma fille. Comme tu es debout et que tu n'as pas peur de 48 heures. Non, elle n'a pas peur de 48 heures. Ça veut dire que tu es une guerrière. Mais bien sûr, hey! Je vais te rassurer, ma fille. Quel que soit ce qu'on va venir dire sur la toile te concernant, mm-hmm. qu'on vient mettre, écoute bien, mettre bien n'importe quoi sur la toile te concernant, mm-hmm. c'est vous. À l'échec. Mais bien sûr. Ce qu'on appelle échec. Donc, comme tu n'as pas peur de 48 heures,
moi également, je n'ai pas peur de 48 heures. Et je lance un défi à cette personne qui parle de 48 heures. Je voudrais lui dire que 48 heures, c'est beaucoup. Mais bien sûr, c'est beaucoup. 48 heures, c'est beaucoup. Mmh. Et elle ne va pas venir sur la toile parler. On attend que tu déposes. Mais bien sûr. Ce que tu as sur elle. On attend. On t'attend de pied ferme. Vous voulez déstabiliser cet enfant, vous n'y arriverez pas. Les gens ne sont même pas encore nés. Ma fille, laisse-moi. Maman Lili, parle, maman Lili. Ferme ta bouche, ton rouge à lèvres là. Tiens ton rouge à lèvres. Je dis que tu es belle, ma fille. Je dis. Je lance le défi. La personne a dit 48 heures. Je lui lance défi. Que si elle veut maintenant, elle dépose. Tout de suite, 48 heures, c'est trop long. Qu'elle dépose tout de suite. Si elle est une femme, si elle a des couilles. Non, elle n'est plus une femme. Et apparemment, elle est devenue moustachue. Elle dit qu'elle est maman Lili. Quelle femme qu'elle sorte, elle dépose. Vous voulez parler à l'enfant de qui? Vous connaissez l'engin qui est derrière? Tentez, vous allez voir. Ce n'est pas le bop qu'on raconte les bop. On est sur la toile, on bouge. Tentez. Nicole ne bouge pas de la toile. Même si c'est sa mère qui va sortir, sa mère qui l'a accouchée, elle et moi, on va bagarrer. Je dis, cet enfant doit avancer. Allez même déterrer sa grand-mère. Puisque c'est sa grand-mère, elle tient à sa grand-mère. Allez même déterrer sa grand-mère. Que sa grand-mère vienne sur la toile, dit que ma fille est descendue. Je vais bagarrer avec sa grand-mère. Et elle va rester sur la toile. Oui, allez faire votre association de aide-moi à détester. Allez faire votre association du village. Vous venez, on vous attend. Il y a des grumiers derrière cet enfant. Oui. Montez, descendez. J'ai seulement posé la question à cette dame qui a parlé, qui t'a donné 48 heures. Est-ce que maman, tu es fière de ta fille Nicole? Est-ce que tu es fière de ta fille Nicole? Cette dame a tout devant plus de 300 personnes. Elle a tourné en rond. J'ai compris que elle a quelque chose sur le cœur qui la dérange. Et bien cette sûr. Chose, on appelle ça la jalousie. Mm-hmm. Et la jalousie, c'est quelque chose qui entraîne à l'échec, à la mort. Vous n'allez pas descendre cet enfant. Ce que vous avez eu à faire à l'époque là, sur ma pépère, sur ma faux, sur Nicole, vous n'allez pas réussir. Et je le dis, vous ne réussirez pas. Mais bien sûr. On va avancer. Et elle va réussir. Amen. Parce que votre jalousie a deux balles. Votre haine a deux balles. Vos associations a deux balles. Vous ne réussirez pas. Et je dis qu'elle est et elle demeure sur la toile. Venez encore. Revenez. Vous pensez qu'en allant utiliser sa maman, ça va la déstabiliser. Vous avez fait échec parce qu'il y a une autre mère derrière. Oui. Keta, tu vas rester là où tu es. Maman Sam. Tu vas rester
T'es là et tu vas faire ce que tu as à faire. Et je te l'avais déjà dit, je t'avais averti. J'ai dit, te voilà qui est venu montrer, qui est sorti du noir, est venu montrer ton visage. Sache qu'un jour, même ta mère sortira sur toi. C'était ici devant tout le monde. Sache que ta famille, tes frères, même ton enfant, un jour, sortira sur la toile contre toi. Ça a commencé. Et ça a commencé. Bien sûr, ça a commencé, c'est vrai. Il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois forte, que tu tiennes bon, que tu ne trébuches pas, que tu suis la ligne comme tu es là, tout droit. Marie, tout ça parce qu'elle a décidé de soutenir mes deux patrons de Facebook, c'est tout. Tout ça commence par là, c'est la jalousie. Mais attends, tu es pressée, tu as commencé. Non, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et ce que je te demande devant tout le monde là, c'est que tu restes forte et que tu prennes le temps quand un problème arrive, que tu prennes le temps. Que tu sciences d'abord. Oui, que tu sciences. Les gens veulent que tu parles. Les gens veulent se faire fabriquer derrière toi. Parce que tu es la lumière. Tu es dans la lumière. Et quand on est dans la lumière, les ténébreux veulent venir un peu prendre ce qui est, hein, un peu prendre la lumosité. Mais bien sûr, maman Lili. Maman Lili, je vais poser une question qui est maman Lili. Est-ce qu'ils ont dit que maman veut tout prendre seul, hein? Voilà que j'étais sur ta scène. Est-ce que ma photo est obligée de mettre ça sur sa page? Non. Hein? Est-ce que ma bébé est obligée de mettre ça sur sa page? Non. C'est-à-dire que sur la preuve évidente, c'est la même chose qu'ils ont fait à ma focalité. Quand elle se défendait, les gens n'ont pas compris. Je veux dire, Nicole, tu es un enfant béni. Tu as compris? Moi, je t'avais dit, quand tu as commencé à supporter Mafo et ma pépé, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, je ne suis pas n'importe qui. Quand je suis les personnes, ça veut dire que j'ai étudié ces personnes. Je n'ai pas besoin de vivre avec eux. J'ai vu en eux des personnes, des bonnes personnes. Bien sûr. Je t'ai toujours dit, Mafo, c'est une belle personne. Non, ma pépé, c'est une belle personne. Je te l'ai toujours dit. Bien sûr. Même quand les gens doutaient de ma foi, j'ai dit non. Je ne pense pas. J'ai toujours dit non. Quand doutait de ma pépé, j'ai dit non. J'ai dit non. Bien sûr, tu as dit ça. C'est pour ça que je dis, tu es l'exemple, tu es la preuve vivante. Et personne, je dis personne, si cette maman était une maman, une vraie maman, je t'ai dit, maman, de lui poser la question. Merci pour les 200 de toi, merci maman. Je lui ai poser la question l'autre jour. Est-ce que tu es fière de ta fille Nicole? Elle a tourné. Elle a tourné en rond. J'ai compris. La chevalerie, c'est pas qui est. Ressort, tu relances. Non, j'ai compris qu'elle a quelque chose. Et je voulais dire, ma fille, tu es belle. Merci et beaucoup. Tu restes une beauté, pas seulement physique, même dans l'âme. Merci. Tu es belle. Et personne, si ce n'est que toi, c'est toi seul qui a la clé de ta réussite. C'est toi seul qui a la clé de ta réussite. Tout merci ça, beaucoup.
La réussite va venir de toi. Et ta descente viendra également de toi. Si tu ne sais pas te maîtriser, la réussite, c'est toi. La descente aux enfers, c'est toi également. Et je te prie, quand il y a un problème de ce genre, nous parlons, oui, parce que c'est là qu'on va parler. Quand il y a un problème de ce genre, tu prends le temps. Tu as compris, ma fille? Prends le temps. Il y a quelqu'un qui est entré. Oui, la chevalière est entrée. Hey, Marie, comment vous, chevalière? Bonjour, ça va, ma chevalière? Ça va bien. Maman Lily, tu es belle là, le noir. Tu es trop belle. Et toi, là, tu es trop belle. Nicole, oh, Nicole, tu es. Comment dans mon quota? Comment dans ma mère? Tu es radieuse. Tu es radieuse. Merci beaucoup. Tu es une perle. Tu es un diamant. Hé, la chevalière, là. Hé, la chevalière, maman. Elle dit que toi, quand tu classes, maman, pardon. Nicole, Rika, oui, ton étoile brille, ma sister. Merci. Ton étoile brille. Merci. Merci, la jeune. Je te dis, ma merci, je dis, ma chevalier. On peut jalouser une petite belle fille comme ça. Maman. On peut jalouser sa petite soeur comme ça, Adama. On peut vouloir du mal à la fille de Dieu comme ça, maman. La fille qui a vaincu l'océan, maman. L'océan. Maman, qui a vaincu les requins. Vous êtes des requins. Les requins, maman, les requins. Vous êtes qui? Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez en aucun cas éteindre l'étoile de Nicole. Oh, amen. Les dieux sont amen. Avec elle. Amen. Si Dieu ne l'a pas pris dans la main, vous qui? Vous quoi? Maman, la chevalière. Vous n'êtes que des petites fourmis. Vous êtes qui? C'est le Seigneur qui va vous écraser. Oh, maman. Vous voulez faire du mal à quelqu'un qui vous a fait du bien? Je te dis. Quelqu'un qui vous a envoyé sa maman comme ça. Maman. Vous assistez quand vous étiez en détresse. Dans la tristesse. Oh, je vous lève, vous donner 48. Maman, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous valez quoi? Vous valez qui? Vous êtes arrivé quand dans mes états jusqu'à donner les ultimatums aux gens. Franchement, ça me fait trop rire. Vous qui? Vous quoi? N'importe quoi. Je donne 48, vous croyez que le fait, tout le monde a vu votre jeu. Depuis que vous êtes dans Meta, vous jalousez Nicole. Vous avez toujours voulu mettre Nicole dans votre clan de tribaliste à deux balles. Nicole est camerounaise, Nicole est africaine. Nicole est citoyenne du monde. Nicole n'appartient pas à une tribu. Je suis désolé. Ah oui, foutez-lui la paix. Faut que c'est tout le monde qui est dans la fête de Mayamse, Banganté. Fichez le camp. Maman. C'est obligé, c'est forcé. C'est obligé. De faire votre camp. Quand vous venez dire que les abeilles sont haineuses, il n'y a plus haineuse que vous. Il n'y a plus haineuse que vous. Vous vous élevez, attaquez une dame parce qu'elle a dit qu'elle ne vous a pas reconnu. Parce que vous avez dit que vous avez Ayus, vous avez fait une photo. Vous avez insulté jusqu'à insulter la maman du flore. Vous voulez qu'on revienne. Mais je vois que vous êtes amnésique. Hein. Vous êtes amnésique, madame. Vous oubliez vite. Hein. Vous êtes attaqué à flore. C'est pendant combien de temps qu'elle vous fait le djangui? Vous étiez là-bas toutes les nuits. On venait faire tout là-bas, je lui donne mon avis. On insultait une maman, on rabaissait une femme comme vous. Vous étiez là, vous applaudissez, vous étiez contente. Vous croyez qu'on a oublié ça? Hein? N'importe quoi, Minami. Je donne 48 heures, je veux les gros poissons. Sauf que depuis, vous n'avez pas pu vous faire fabriquer. C'est maintenant que vous serez. J'attends ça, qui est derrière vous. Moi-même, Nicole qui est là, Nicole peut témoigner. J'ai dit à Nicole que pardon, laisse un peu Lolo. Nicole m'a dit que je sais ce qu'elle m'a fait. Elle a publié ma grammaire. Mon ami, c'est son problème. Je m'en fous, je lui parle. Elle sait qui c'est. Vous êtes qui? Elle est haineuse. Est-ce que Nicole a clashé plus que vous ici? Nicole a fait quoi que vous? Parce qu'en un mois, vous étiez sur la vie de Flore. Flore, vous devez quelque chose jusqu'à clasher sa mère. Je vais maman. Au Cameroun. Je vais jusqu'à clasher une maman qui ne vous a jamais rien fait. Mais moi, je vois c'est tout ça pourquoi? Parce que la mauvaise foi, ma chérie. C'est la Adama, mauvaise foi. On peut faire ça. Courir après ça. On peut faire ça seulement parce que quelqu'un dit que je ne me rappelle pas de toi. Tu me connais. Maman. Ici, maman. Voilà votre vie qui est versée les unes parce que waouh, la vie de ça. Maman, c'est là que ça ici. C'est versé dans les unes. Mais les gens croient qu'ils sont souvent trop propres. Vous avez dit que dans vos placards, c'est vous qui venez sur la toile menacer les gens. Vous menacez même qui? Les meurtres et ça. Éduquer. Nicole.
Tu dis que tu es une bosailleuse. Maman. Tu dis que tu es belle. Boza. Tu es beauté. Aïe, opa, 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 opa. Le brassard du boza. Beauty. Aïe, opa, 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 opa. Ça. La gamme qui fait mal au ténébreux. Voilà ça. Maman. L'autre, justement. Quelle passe à comment? Tu te félicites pas ta fille. Félicites pas ta fille. Tu es intéressé que 8 qu'elle vend les cabas. Maintenant qu'elle a ses petits contrats, maintenant qu'elle a ses petits publicités, sa petite manifestation, ça vous fait mal. Maman. J'ai demandé, j'ai posé la question. Toi, je suis total. J'ai posé la question. Je suis avec toi demain, après-demain, jusqu'à Las Caras. Comme c'est seulement toi qui vas nous décevoir. Non, 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 avec toi. C'est peut-être. Non, non, c'est comme si c'est normal. Mais... ben, maman, c'est pas vrai. Elle, si elle veut nous chasser. Si elle nous chasse. Non, oui, la situation, nous allons faire moi ensemble jusqu'à Las Caras. Oh, Mako, c'est la dernière fois que j'ai entendu ta voix, Mako. Ça fait longtemps. Vas-y. Maman, tu ne fais plus des lives, tu ne fais plus des lives. Elle ne fait plus des lives. Maman, Lili, tu es trop belle. Je te jure, je te vois. Je sens de te voir, maman. Lili, que le gloss que tu as mis là dans le crayon, je te bien dit. Tu es trop belle. Merci, Mako. Ouais, merci. Quand, franchement, je t'appelais juste pour te donner un peu de force. Pour te dire que, merci, ma chevalier. Merci, ma chevalier. Merci, ma mère. Parce que, merci franchement, ce qui est en train d'arriver là, c'est la sorcellerie. Ma... Ah. Que tu envoies quelqu'un quand la personne est peinée, la personne est en détresse, et la personne te le rend en disant qu'il va venir afficher ta vie, soit disant parce qu'il a eu certaines relations avec ta maman. Tu sais, mais de toute façon, ta maman n'est pas à blâmer, tu vas arranger avec elle. Peu importe si elle est en like détresse, elle a dit des choses sur toi, on s'en fout. La aujourd'hui, Facebook, c'est comme, il y a une dame. Facebook, comme un terrain de... On va te croiser un bureau, c'est ton bureau. La chevalière, la chevalière. Bonjour, bonjour la famille. Hey, bonjour, Mireille, non, quand il voit ton nom, je me rappelle ce mot direct de l'autre côté. Maman, laisse seulement, on atomise partout. Je venais vous dire à Maman Lili que Maman Lili, ton travail marche. Amen. Maman Lili, je te dis que chapeau, chapeau Maman Lili, les abeilles te disent pick up. Tu es une tueuse. Une fille comme ça, Nicole, excuse-moi, qui était hier brute. Nicole, maman, la chevalière. La chevalière, ne t'en pas un peu une minute, je parle, pardon, la chevalière. Ne t'en pas. Non, je parle. Non, voilà. Tu es venu me trouver. Laisse-moi de finir de parler. C'est que je voulais dire. Je rappelle comme ça, je suis cassé aux toilettes. Est-ce que tu es calé? Moi, je suis là. C'est pour ça que je dis que ne descends pas, parce que moi, je suis cassé dans la toilette. Nicole, pardon, laisse-moi. Bon, Nicole, tu es trop belle. Je parle, maman, Lili, merci beaucoup de soutenir. Donc, vous êtes caché plutôt aux toilettes. Attends, je suis aux toilettes, la chevalier. Attends, ma paix est bonne. Non, je ne parle pas. Bon, les amis, je vous aime. Je suis en train de voir mes côtés là. Ma côté est vous. Ma cousine Zivi Di Makando, toutes les abeilles, je vous love, je vous aime. On est ensemble, bisous, bisous. Ciao, ciao Nicole, ciao Maman Lili. Ciao, ciao Mireille. Ciao, Maman Lili. Ciao, Maman Lili. Ciao, love you all, bye-bye. Maman Lili, je venais te féliciter, te dire vraiment merci. Et je venais pour rappeler à Nicole que si Nicole est consciente, je suis un vrai profil. J'étais atomisée quand tu venais de connaître, quand tu as commencé à parler de Fleur de Lille. Moi, je suis ta sœur Baranté, Marumba Mella, de village, village même. Je n'ai pas regardé que tu es Baranté, tout ça là. J'étais atomisée en premier pour dire quitte derrière notre mafo. Parce que je n'ai pas regardé que comme c'est les villages là, laisse ça. Ça ne prend pas sur la toile ici. Nous sommes les majeurs. Je suis Baranté 100%. Je n'ai pas regardé que tu es Baranté. Je viens faire quoi derrière? Je suis ici là pour chercher la tradition. Je suis ici pour la tribune. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et je dis merci à Maman Lili parce que Maman Lili, c'est une tuneuse. Elle fait le don. On donne le chapeau. Quand tu es une mère comme Maman Lili, vraiment, comprends ses conseils et sois vraiment très prudent. Accepte que tu es le moumou, tu es la sounoise de Maman Lili. Accepte. Mieux me porter le sac de quelqu'un qui t'élève que de porter le sac de quelqu'un qui va venir te déposer au carrefour demain matin. C'est de ça que ça joue. Donc, on va rester là pour dire que tu vas rester là pour dire ne réponds plus aux gens. On veut aussi être, tu veux aussi déjà fabriquer. Ne fabrique pas. Nicole, pardon, ne fabrique pas. Tu sais que nous aussi, on n'a pas encore fini la fabrication. Laisse-nous terminer notre chantier. Exactement. Pardon. Là, maintenant, quand tu vas porter notre chantier pour mettre des tons, nous aussi, on n'a pas besoin de trop de travail. Nous sommes déjà fatigués. Comme tu vois, les belles toits qui étaient sur nous. Nous sommes des vieilles.
Nous sommes des anciens. Donc, je suis tout quand ils ont porté encore l'autre pour venir avec. Franchement. Voilà l'autre là-bas, là-bas qui crie partout. Toi, tu ne vois pas que c'est un peu trop. Le chat, ce n'est pas bon. Pardon. L'autre est en train de venir comme ça depuis, elle t'a oublié. S'il te plaît, maman, faut laisser un peu le dossier là. Nous, on n'a pas encore fini ta fabrication avec tes rouges à lèvres quand tu mets. Tu es belle comme ça. Commence à mettre les lunettes, Nicole. Mets les lunettes. Tu es déjà dans les coups d'état pour mettre les lunettes. Les lunettes noires, même si c'est soleil, même si c'est noir. Les lunettes, c'est l'état. Tu n'es pas encore arrivé à l'état de lunettes. Pourquoi? Commence à mettre les lunettes. Tu es arrivé à l'état de star. Donc mets les lunettes. Même si c'est noir, mets les lunettes noires. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mets les lunettes noires. Tu as compris? Mets les lunettes noires. Même si c'est noir, même si c'est de noir, on le joue, mets les lunettes noires. C'est ça qu'on appelle. Tu as vu ma bébé, non? Tu as vu Flore? Donc, du tout, mets les lunettes noires. Tu as compris, Nicole? Il faut mettre les lunettes noires, hein? Tu as compris, ma bébé? Atomise, atomise. Nous, on est en bas, on te supporte. Je vais mettre les cœurs. Mettons les cœurs, les abeilles. Nous sommes en famille. On a Lili, bisous. Bisous, ma chérie. Tu es trop belle, chérie. Tu es la plus belle femme. Maman Lili, tu es belle toi-même, maman. Tu es belle. Bisous. Bisous, maman. Oui, maman. Dis qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Que les gens me posent. Maman Lili. Tu es belle, mon cœur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Lève-toi, tourne-toi. On voit maman. Un enfant. Lève-toi, mon bébé. Lève-toi, chérie. Lève-toi. Regardez la beauté. Regardez. Vous voyez, tourne tes fesses, chérie. Tourne ça bien. Voilà. Montre-le que tu es un enfant digne. C'est de ça qu'il s'agit. Montre-le que tu es un enfant digne. Maman, il y a le brassard du Boza. Que tu es une vraie bosailleuse. Que tu as bagarré avec les requins. Que tu as bagarré avec les requins. Donc, vous faites maintenant la combine. Vous faites maintenant la combine. Vous êtes au chapeau, vous ne me faites pas signe. C'est par hasard que je vous ai le chapeau. Ma pépé. Ma Lili, c'est ça. Ma pépé, tu es belle, chérie. Regarde comment tu parles. On sent l'amour dans ta voix. Donc vous êtes dans le Japon. Moi, je ne suis pas au courant que vous êtes dans le Japon. Ah bon? Ok. Moi, je ne savais pas que vous êtes dans le Japon puisqu'elle a mis le film. Ah, t'es belle. Nicole, t'es très belle. Oh là là, le teint ja. Maman, ça ja. La gamme de l'heure. C'est ça qui est le teint ja. Ma fille, tu brilles comme la lumière. Oh! C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est trop belle. T'es trop merci belle. Merci, maman. Merci, maman. Merci, t'es très belle. Franchement, t'es très belle. Merci. Ma Lili. C'est beaucoup. Pas oui, de l'heure. Tu as travaillé, hein. Moi, ta fille brille. Elle est toute belle. Elle est belle jusqu'à. Je te dis, elle brille. C'est pour ça qu'on peut être belle comme ça. C'est pour ça qu'on lui donne les 48 heures. Pour les 5 heures. Nicole, donne-nous ton secret. C'est quoi ton secret pour être belle comme ça? C'est ça, non. C'est ça, beauty, maman Lili. Maman Pépé, c'est ça, beauty. C'est ça, c'est la gamme de la c'est ça, c'est ça, cuisse. Ça, cuisse, ça, c'est pas maman, Nicole, on a pas brillé. Ça, là. Maman, c'est pour ça qu'on donne 48 heures à ma fille pour quitter Facebook. Maman, qu'est-ce qui Facebook? C'est beauty. Je n'aime pas encore lié. Allez, monte le quai. Nous, on a Boza, on a le sang à l'air. Ça brille de la bam. C'est pas trop de temps en temps. De temps en temps, tu vas aussi faire plaisir à ta mère, hein, Lili. Mais on a Boza. Donc, ça va pas dire qu'on a dit qu'on laisse nos habitudes, on jette dans la poubelle, qu'on va nous réveiller. Mais non. Mais non. Mais non. On ne nous réveille pas quand on dort. Parce que là, bébé Nicole. On ne réveille pas le chien qui dort. Faites pas, c'est très dangereux. Je représente les femmes qui ont Boza sur Facebook. C'est bien, ma fille. C'est très on bien. On intimide pas vous, Boza. On intimide pas vous, les maman. Ce n'est qu'un. Nicole, ce n'est pas une injure. Si quelqu'un va croire que c'est une injure, ce n'est pas une injure. Pourquoi, maman Pépé? Ce n'est même pas une injure. Au côté, c'est un
Ça montre que tu es une femme forte. Je suis contente, je suis fière. Voilà. Vous savez combien de personnes qui meurent dans l'eau? Vous savez combien de personnes qui meurent dans le désert? Moi, j'ai ma fille ici, là, ici à Rouen, qui a Boza, et elle est fière, elle ne cache pas, elle dit à qui veut l'entendre. Tu as vu? C'est alors. Elle me coiffe. Mm-hmm. Si. Elle ne cache pas, elle dit qu'elle a Boza. Boza et Boza. Maman? Ben oui. L'émission Boza va recommencer. Vous allez sucer le courant sur Facebook. Oh, je suis vraiment le courant là, ma fille. Mais non, mais venez intimider mon enfant. Voilà, je reconnais Nicole. Mais Marie, j'ai intimidé la fille de. Depuis hier, elle est sortie. C'est moi qui ai fait Nicole ne sort pas. Qui? Tu peux me dire. Qui tu es? Nicole, non, tu sais je t'ai dit. Sont... Nicole, tu sais que nos matins sont les stars maintenant, non? À cause des réseaux sociaux. C'est les stars. Vas-y, ça. Ta vie ici. Nos matins sont les stars. Tu prononces le nom de ma grand-mère. Je dépose toute ta vie sur Facebook. Et ça ne chauffe pas. On ne nous menace. On ne menace pas les enfants de Flore et de Maléba. On ne menace pas les enfants. Tu peux elle peut m'insulter moi. Elle peut m'insulter, elle me dit rien. Tu prononces le nom de ma femme. Ma bouquet. Ton nom, tu peux seulement ton, tu prononces son nom. Je verse ta vie. Voilà. Je t'ai mis au défi. Ah, je te mets maintenant moi-même. Je te renvoie ce défi. Si tu es une femme, prononce ton nom. Merde. Je te renvoie le défi. Le défi. Je te donne le défi ce matin, maintenant. Si tu es une femme, prononce ma grand-mère. Marie, on menace ta fille, tu es vivante. Maman, c'est quand j'ai vu le défi 48, je dis que en bon. Donc il y a un défi de 48, je dis ok, ma fille, on va lui lancer ce défi. La femme qui est sortie par les pieds. Maman, attends. Je dis donc il y a un défi de 48, hein? Je dis ok. Voici ta vie, je tiens toute ta vie, c'est tout. Oui. Tout réussi. Les gens arrêtent un peu les histoires là. Prononce, chamaillons-nous. Mais quand vous venez à mettre les parents qui n'ont rien demandé, qui ne savent même pas ce que c'est, même que comment on peut pour un coup entrer dans Facebook, elle ne connaît même pas. Tu peux dire à l'enfant que 48, 42, c'est 48 heures ou c'est. Maintenant, moi, je lui dis, maman, bébé, pour elle, c'est 48 heures. Maintenant, moi, je lui dis que dès que je coupe là, elle lance le dé, prononce ma grand-mère. Mais attendez un peu, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça parce que vous voulez obliger l'enfant de soutenir les gens qui ne veulent pas. On a affiché ici, là, elle a dit quoi? Vous avez vu Nicole, ça c'était rien, mais là, quand moi j'entends Nicole parler, c'est que Nicole apparemment elle aime beaucoup sa grand-mère. Bonjour. J'ai bon pour ma grand-mère, dis tout ça ici sur les réseaux sociaux. Oui, tu as toujours dit ça. Non, tu as toujours dit ça. Bonjour ma Lily, bonjour ma Pépé, bonjour. Bonjour mon amour, comment tu vas? Il faut que je vienne, tu me fasses une beauté, hein, vraiment. Avant que ne pas te payer, tu m'offres ça. Toi-même, tu t'occupes de moi. Oui. Oui, ça, c'est bon. Tu me dis quelque chose à ta fille, tu laisses parler. Ah, déjà, Nicole, tu es superbe. Tu es merci beaucoup. Superbe. Non, merci mais... beaucoup. Aïe, merci. Aïe. Non, tu es superbe. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Oui, alors, oui, mais moi, je vais dire, les gens ont oublié. Quand Nicole arrive sur les réseaux, elle était dans le noir, effectivement. Elle clashait Maman Perpé et Mafo. Là, ça ne dérangeait personne, en fait. Non. Ça, elle avait le soutien de tout ce monde-là. Mm-hmm. Là, ma Dorcas, qu'est-ce qu'elle reproche exactement à Nicole? C'est quoi le problème exactement, Maa Lily? Elle lui reproche quoi? Elle lui reproche, ben c'est le fait de ne pas soutenir Pipi, en fait. Parce que leur problème, c'est que Nicole doit rejoindre le collectif des Banganté. Je vous avais déjà Nicole dit... Nicole est camerounaise. Elle est zéro Banganté là-dedans. Voilà, mais elle est ma coco bassa. J'avais dit dans ton direct qu'il y a un collectif qui s'est créé sur Facebook du tête du Canada, parce que elle-même Dorcas qui parle, elle avait surnommé celle du Canada Mandon Japap. Elles ont essayé de se clasher là, ça n'a rien donné.
Mm-hmm. Elle a surnommé Pipitoke Lucky Luke de Reims. Elles ont essayé mm-hmm. de créer un faux clash là. Les gens n'adhèrent pas à leur clash. Donc maintenant, mm-hmm. c'est qu'elles créent un collectif, soi-disant les sœurs du village, pour détester les autres. Parce que c'est ça leur problème. Comme Nicole décrypte Long Lolo, ça ne les arrange pas. Qu'est-ce mm-hmm. que Nicole... Il faut que Nicole ne doit pas soutenir Maa Pepe, ne doit pas soutenir Flore. Elle, Nicole, elle pense que Nicole doit soutenir Long Lolo. C'est aujourd'hui que Dorcas vient dire que Nicole insulte quelle maman. Maintenant, est-ce qu'elle ne soutient pas Mbopi? Mbopi, quand elle vous insulte là, vous n'êtes pas des mamans? Maintenant, est-ce non, c'est des animaux. C'est des animaux. Nicole a insulté quelle maman depuis que je suis sûre que Nicole, nous tous on a vu Nicole arriver. Quand elle était Nicole Ketcha, elle clashait dans l'église, l'église de l'Agnasse, moi j'appelle ça l'église de l'Agnasse. Vraiment, elle me connaît vraiment, elle me connaît vraiment. Oui, mm-hmm. elle clashait dans l'église de l'Agnasse, elle était plutôt mm-hmm. sympathisante de Warriors. Mm-hmm. Voilà, elle me connaît bien, mais voilà. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je sais que Nicole a un faible pour Warriors. Tout le monde a même un faible pour Warriors. Warriors, c'est seulement quand elle va trop loin dans le clash, les gens, on mm-hmm. se désabonne, on se retire. Quand elle revient de meilleurs sentiments, ses abonnés reviennent. Bien donc, sûr. C'est aujourd'hui, quand Nicole est arrivée, Nicole Ketcha, elle clashait Maa Pepe, elle clashait Maa Fo. Là, elle n'insultait pas les mamans. Mais depuis que Nicole décrypte Long Lolo, ça ne leur plaît pas. Vous savez que bien sur sûr. Cette toile, Long Lolo, c'est Sainte Lolo. Elle, c'est Sainte Lolo qui n'a jamais rien fait de mal. On s'en prend trop à elle, on s'acharne sur elle. C'est tout ça le problème de Dorcas. Parce que là, Dorcas, elle reproche quoi là, Nicole? Sa maman décède, Nicole envoie sa mère l'assister au deuil. Est-ce que tu vois comment c'est malsain d'enregistrer peut-être la maman? Parce que je ne sais pas ce qu'elle détient de la maman. Mais c'est malsain. C'est malsain. Même si elle détient n'importe quoi, on s'en fout. Alors, Nicole, ce que je vais te dire, maman, non, mais... c'est une maman, elle est fragile. C'est à mm-hmm. toi de rassurer la maman, parce que maman, mm-hmm. elle a certainement paniqué. C'est, pour l'instant, c'est à toi de rassurer la maman, ça reste ta maman. Mm-hmm. Tu ne peux pas aller en paix, elle veut que tu quittes sur les réseaux, explique à maman que maman, si tu, quand je t'envoie le sac de riz là, c'est l'argent de ces réseaux, c'est ce que je fais, voilà les contrats, explique bien à maman, rassure maman, d'accord? Rassure maman, oui, voilà. Ça va, bravo, bien parler. Ça va oui. se faire, il faut mais, non mais Dorcas, avec, il y a une fille qui a dit, avec sa tête qui nous remplit les écrans du téléphone, elle veut même quoi? Elle veut quoi? Non, le problème, c'est quoi? Cette dame, je l'ai vue venir. Mm-hmm. Je l'ai vue tellement venir. Un jour, elle entre dans le live de Nicole. Bam! Je me dirais que Nicole était en train de parler d'un sujet important. Elle rentre, elle dit la banganté. Clasheuse. Oui, elle commence même à parler. Elle commence à parler banganté. C'est là où je l'ai stoppé. J'ai dit qu'elle parle français. Mais parce que ici, c'est pas un club de banganté ici. De patois, de langue, une association du village. Non, qu'elle parle mmh. français. Ben oui. Regarde mmh. même Maa Lili. Je voyais sur le mur de Mélodie TKC ce matin un extrait où Long Lolo clash le pou du désert. Moi, je l'appelle le pou. Le pou qui paraît-il en train de Boza. Boza. Pareil. Elle ramène toujours le village. Oh, comme tu vas sur la route, j'ai mes frères Mbaganté, ils vont te faire ça. C'est quoi? Pourquoi toujours ramener les gens de mon village? Ils ne vont pas dénoncer cet acte massin qu'elle a promis à un enfant qu'il va mourir dans l'eau. Ah non, mais quand c'est compresseur, oh là là. Oh, oh voilà. Quand c'est ma pépé, ça crie. Ma faux, ça crie partout. Ça crie de partout. Nous, c'est que ça crie. C'est que c'est une histoire de temps maintenant, là. Bien sûr. Oui, c'est sûr. J'ai vu un bout sur Mélodie TKC ou sur Choupinette ou sur Mélodie. C'est méchant. C'est méchant. Toujours c'est méchant. À ramener, toujours à cloisonner les gens, à mettre des gens dans des camps. C'est quoi ça? C'est oh, quoi? Donc, c'est le problème de Dorcas. C'est ça de Maa Dorcas. C'est ça son problème. C'est aujourd'hui que Nicole insulte les gens. Elle, en parallèle, elle caresse Mbopi. Elle caresse Mbopi. Mbopi fait quoi? Mbopi ne fait pas du sale sur la toile. Qui insulte comme Mbopi? Non, son problème, Eva, son problème, c'était que Nicole clash avec celle de Mbopi. Voilà son problème.
il fallait détourner, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer Nicole dans la boue. C'était leur objectif, envoyer Nicole dans la boue. Comme Nicole n'a pas fait, c'est pour ça que tu vois tous ces clans-là. Et hier, il y a une fille qui a parlé, parce qu'après ça, après qu'elle a suivi son direct, une fille qui lui a dit dans le direct que ce n'est pas Nicole qui est venue parler de ça mais sur Facebook. En tant quoi à telle personne, c'est le gars-là qui a parlé, Chihuahua. Elle dit que je ne le connais pas. Et elle se met directement, elle se tourne toujours vers Nicole. La femme n'est pas insister que non, ce n'est pas Nicole. Donc, c'est là où les gens ont compris que oui. Et après, elle dit dans le même direct, ah, je n'ai pas parlé avec sa mère. Depuis que sa mère est venue au deuil, je n'ai plus jamais vu cette femme. Et du coup, elle dit que hier, maman, elle a parlé, dans le même direct, hein, elle a parlé avec ma mère. Elle a parlé avec ta mère. Dans le même direct. Alors que dans le même direct, elle disait que non, depuis, elle n'avait pas vu sa mère. Elle n'avait pas vu. Dans le même direct. Ah oui, j'ai parlé avec sa mère hier. Ah, tu as parlé avec sa mère hier. C'est pour ça que le gars est sorti alors. Pour dire ce que la mère de Nicole a dit. Et Nicole n'a pas prononcé son nom. Hein. Dans tout ça. C'est les gens qui ont prononcé son nom parce que les gens ont écouté ce que Chihuahua, SDF là, a dit. Nicole n'a pas parlé. Et la femme ne faisait que insister. Non, ne t'en prends pas, Nicole, parce que Nicole n'a pas parlé de toi. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est ce que j'ai dit dans mon direct ce matin. Que c'est une action qu'elle est en train de vouloir faire. Elle veut profiter de la situation. Elle sait très bien que Nicole n'a rien dit. Elle le sait. Que Nicole ne l'a pas offensé. Elle fait ça parce qu'elle a envie de déstabiliser Nicole. Elle croit qu'elle va déstabiliser Nicole. Mais moi, je dis aujourd'hui que tant que Malili est là, tant que je suis là, tant que Flore est là, Nicole ne peut pas être déstabilisée. C'est là qu'elle doit nous montrer. Donc, elle est vraiment dans la lumière. Quand c'est on te pince, tu pinces fort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. OK. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on veut que Nicole vienne et commence à pleurer que Malili, il ne veut plus faire les directs, tu vois, ça part déjà loin. On dit qu'on va afficher la maman. Maman, ah, est-ce que le métal est bon jusqu'à là? Non, elle est-ce que la catastrophe est trop bon? Notre époque, encore même, nous, on nous faisait ça et on ne gagnait rien. Aujourd'hui, il y a le pain. Non, mais là, je te dis. C'est ce que je voulais dire à Nicole, c'est j'ai entendu ma Perpé ce matin dans son direct, ou le direct d'hier, je sais plus, j'étais en train de suivre un de ses directs tout à l'heure en différé. Je crois que c'est le direct d'avant-hier, où elle en chemise là, chez elle. Elle disait... Elle disait, si elle avait écouté, si elle avait eu des gens, quand elle rentrait dans les réseaux, si elle avait écouté des gens, son blog serait différent aujourd'hui. Bien sûr, bien Donc, sûr. Donc, toi, saisis cette opportunité, Nicole, parce que tu as vraiment Malili. Et tu as maintenant des gens... Tu as vu Nicole, tout le monde te dit que tu as Malili. Tu as vu, non? Non, en fait, elle a entouré des gens qui ont l'expérience de Facebook. Son manager est bon. Voilà. Elle a la chance qu'elle a un manager. Son manager Malili est bon. Et je peux je peux te dire que Flore et Ma Pepe sont entrées comme ça dans Facebook. Je crois qu'elles-mêmes, elles n'étaient pas suffisamment armées. Elles ne savaient même pas dans quoi elles se lançaient. Je ne pense pas qu'elles savaient qu'au bout de ça, il y aura une espèce de starmania, qu'elles seront reconnues dans la rue. Je pense qu'elles sont entrées dedans comme un comme jeu. Ça, c'était un jeu. Voilà. Maintenant, toi, tu rentres dans un moment où Facebook, en plus, est déjà payant. Tu peux tirer quelque chose de ce que tu fais. Tu peux donc profite, entoure-toi de bonnes personnes et tu vas voir. Voilà, et prends beaucoup de conseils. Comme Maman Lili t'a dit, dès que tu apprends une information, on va vouloir te manipuler. On va même te dire que Maman Lili a dit ceci, elle m'a écrit une box, on a parlé, je les vois. Maman Lili, comme elle t'a dit, prends du recul, assieds-toi, réfléchis. Appelle Maman Lili et tu connais Maman Lili, tu sais ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire. Donc, ne tombez plus dans la manipulation de Facebook parce que c'est ça qui a engendré toute cette guerre. C'est la manipulation. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour manipuler, pour cogner les têtes des autres.
Donc, vraiment, si tu écoutes et que tu prends les enseignements, je te jure que tu vas vraiment évoluer. Parce que toi, tu as la chance, tu es jeune encore. Tu es jeune. Oh, merci pour l'invitation. Voilà, parce que les mamans Pépé, les fleurs arrivent, elles sont déjà presque des vieilles chouettes, tu vois. Donc, toi, tu es jeune. Nous, bientôt, on va retraite. Voilà notre non, Nicole. Vous partez en retraite. Pourquoi vous allez rester sur mes temps? Les blancs non, travaillent jusqu'à 30 ans. Quand on dit qu'on part en retraite, c'est que nous sommes là. Tu vois pas comment manger avec la canne. C'est que c'est, ça devient, ça pèse déjà sur le dos. Ce n'est pas le plan. Donc voilà. Mais, tu as eu la chance. Je t'ai dit, tu as eu la chance. Tu as ta maman qui est Malili qui est là. Parce que quand tu entends Malili parler, Malili est que quand on vient, on veut parler de toi un jour, elle est. T'as dit. On sent une mère poule. Elle sort de ses gonds. Elle est apaisante. En plus, Malili est apaisante dans ses paroles. Elle parle doucement. Elle est apaisante. Je sais ce n'est pas si Malili se fâche souvent. Je ne l'ai pas encore vu fâcher hein, pour l'instant. Hein. Toi, dis-moi, elle se fâche souvent. Non, elle ne se fâche pas. Elle ne se fâche pas. Elle n'est pas une petite. Bon, il faut que je vais faire tout un jour pour énerver Malili. Je sais ce qui peut énerver Malili. C'est que maman Lili va m'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réponds là? Ah non. Tu les ténèbres, c'est ça qui les peut les tuer. L'amour, c'est peut les finir. C'est ça. Les ténèbres veulent que tu. T'as dit, non. Vous n'avez pas coupé l'endroit où ma copine a dit qu'ils sont allés chercher pour nous deux. Eh, Marco, Pardon, en fait, ma copine, d'abord, avant de continuer votre direct, non, pardon. Ouais, Mafo, c'est la lumière. Mafo, voilà. C'est une beauté. Voilà. Une beauté. Mafo, j'ai toujours dit que c'est pas pour rien que j'ai toujours dit que cette femme-là, quand Pi a détruit, je le dis, raison pour laquelle j'ai dit non. J'aime Maba Pépé parce que elle a soutenu même quand elles étaient en clash. Elle a bien dit, je viens, félicitations ma copine. Pourtant, elles étaient en plein clash. Et je me rappelle. Elle lui a dit que c'était beau, tu as bien tout son événement je te jure. Au bateau. Elle a dit, c'est alors que la ça guerre... que je veux de toi. C'est ça que je veux de toi. Ma pépé, je te rends hommage. Ça dit que, on dit souvent qu'il y a des petites choses qui rendent... Malili, quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Merci pour les étoiles, Emma, Luna. Eh oui, laisse-toi. Lève-toi, je suis là, c'est pour Emma. Eh Emma, Emma, merci pour les étoiles. Emma, merci pour les étoiles. Maman, merci. Ton ami, comme on dit qu'on danse comme ça, il peut même se tuer. Ouais, l'enfant au Tunis qu'on a envoyé sur la route. Si l'enfant la met en route, on fait comment, non? Mais il a dit qu'il n'est pas sur la route. Il a dit qu'il n'est pas sur la route, hein? Qui l'a envoyé sur la route? Le petit poula, est-ce que vous l'écoutez même encore? Mais qui a dit le numéro du Niger? Vous écoutez la manipulation des pipis. Donc, vous tout ce que pipi dit, vous y croyez, vous? Non, parce qu'il a dit de souhaiter la mort au petit, là, hein? J'ai entendu. Non, mais c'est pas bien. Est-ce que vous ignorez les trucs de Facebook? Moi, j'ai entendu le poula dans un extrait. Il disait que non, il est bien au Cameroun. Ça va alors. S'il n'est pas parti, tant mieux. Pour moi, celui-là, c'est un petit manipulateur. Bien sûr, c'est un petit manipulateur. C'est sûr. Et il veut manger à tous les râteliers. Il va manger. La TKC, il ne peut pas manger. Les abeilles, alors, n'en parlons plus. Il va manger dans Oumeda. Il a sali, il a chié partout. Le chevalier dit que non, il est au désert. Moi, je l'ai écouté. S'il est là-bas. Là-bas, ce n'est pas une bonne idée. Les gens qui l'ont trompé, vraiment, on l'a trompé. Non, ma pépé, toi-même, tu dis souvent que sur Facebook, personne n'a enfant là-dedans. Mais lui, c'est un enfant quand même. Non, attends, personne ne l'a trompé. Je ne suis pas d'accord. Qui est-ce qui n'est pas au courant des dangers du Boza de nos jours? Entre les reportages, les sensibilisations sur Facebook, ceci, cela, qui n'est pas. Merci pour les étoiles. Il faut arrêter que Toby, c'est un enfant. Quel enfant? Toi-même, tu dis souvent qu'il n'y a pas d'enfant sur Facebook.
un enfant, il vient clasher des femmes, les mères sur Facebook, c'est quel enfant? Un maman. Vieillard dans le corps d'un enfant. Nicole, danse pour Dibindi. Ah. Il a envoyé les étoiles. Maman. Merci Dibindi. Merci. Merci pour les étoiles. Merci. Nicole. Et Père. Tu danses. On a encore envoyé. On a encore envoyé. Voilà qu'on a encore envoyé. Nicole, danse. Oui. Danse. Danse. On a encore envoyé. Nicole, lève-toi. Et tu avais les étoiles, ma fille. Quand les ténébreux voient ça, ils disent que Nicole. Nicole a dansé. Merde. Ouais. Quand les ténébreux voient ça, ils disent que merde. Ah oui, Nicole est arrivé. Nicole est arrivé, venir taper les ténèbres, jusqu'à taper la patronne des ténèbres. Nicole, c'est forte quand même. Il paraît que ma foi en. Elle a dit. Regarde ma copine. Apparemment, il y a. Qui est-ce qui dit ça? Moumou. Attends, elle m'avait regardé. Oui, elle a dit. Ok, bon. Nicole, je suis obligée de te laisser. Mais je t'attends. D'accord? Mais partager d'abord chez ma tante là-bas, je reviens si tu es encore là. À toutes. Exactement, Anaïs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Prends l'autre mon téléphone pour suivre la marque. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anaïs. Qu'il gère son enfer. Qu'il n'y a que l'enfant sur Facebook. Oh, on l'a on partage chez ma faute. C'est vrai que quand ma foi, c'est ma patronne, je dois arrêter le bien live. Bien sûr, bien sûr. On a parlé, c'est qu'on avait déjà parlé. C'est oui. Très bien. Donc, je dois arrêter le live parce que ma patronne en direct, donc, on reste la hiérarchie. On attend alors les. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. On attend donc, les 48 minutes. Moi, je respecte la hiérarchie. Hiérarchie et puis on va se retrouver le soir à 21h pour célébrer les contrats de Mafo. C'est de ça qu'il s'agit. Aura. Et après, je tiens à vous dire que je dis un grand merci à tous ceux qui m'ont apporté le soutien. J'ai vu les posts beaucoup. J'ai compris que sur Facebook, il y a une famille. Merci beaucoup. Vous m'avez prouvé que vous m'aimez vraiment, que vous m'avez adopté en tant qu'une bosailleuse. Merci beaucoup. Tu es une enfant obéissante, c'est pour ça. Merci continue beaucoup, comme ça et tu vas merci évoluer. Beaucoup. Bisous. Merci beaucoup. À tout à l'heure, ma fille. À tout à l'heure. Bravo. Merci à tous les abeilles. Merci à tous les TKC. Merci à tous les sympathisants. Merci à tous les papas de la toile. Merci beaucoup de soutenir votre fille, de continuer à l'élever. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Bisous. À ce soir, ma fille. À ce soir 21, on célèbre la victoire de Mafo. Ciao.